Yo les pilotes, yo les riders, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas pour ma part, ça va nickel. Juste avant de lancer la vidéo les gars, je voulais vous parler, je voulais vous prendre en face caméra pour vous annoncer un de mes plus gros projets de l'année. Ça va être le MR Camp. Le MR Camp, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est mon rassemblement que je vais organiser sur les terres de l'UM Beachoise. Je vous mettrai là, juste ici, là, derrière ma main, là, le flyer. Foncez prendre vos places, donc ça sera pour les pilotes sur le terrain de Beach le 2 et 3 juillet 2022. Le terrain, il sera préparé aux petits oignons. Il y aura la possibilité de dormir sur place. Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Il y aura des surprises, des animations sur place, des professionnels de la moto qui seront là pour vous aider, pour aider, donner des conseils. Bref, ça va être vraiment un week-end de pure folie. Je vous laisse directement aller sur mon site internet, prendre vos places à la fin de la vidéo. En attendant, je vous balance la vidéo. C'était le championnat de France de Villars-sous-Écho. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche. Ça fait toujours plaisir. C'est parti, bonne vidéo. Let's go! Bon allez, on a tout chargé, on a les bottes, le sac, la moto, c'est parti, direction Villars. On y va? T'es prête? Allez, c'est parti. Wouhou! Putain, que c'est dangereux que ça. Mort. Ah, c'est cool là. À droite là? Ouais. C'est écrit motocross. On est arrivé. Bonjour. Elite Amix 2. Numéro 117. 117? Ouais. Comment? MX2. Voilà. C'est tout bon? C'est tout bon. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Voilà. Il y a de la place ici. Stylé hein. Ça vient de là. Classe à Dallas tout le temps. C'est passé pour la Toujours on aura le même. Toujours on aura même mieux peut-être. Le terrain de ouf. Je t'ai jamais venu ici mais là. Ah ça a l'air d'être. Ah, mon prénom. Le participant reconnaît avoir pris connaissance des règlements FFM. Oui monsieur. Signature. Marque de la machine. Gaz. Gaz. Numéro de cadre. Ouh, ça je le connais pas par cœur. 4 temps. 250 cm3. On va écrire le numéro de cadre.
Les beaux paysages. Ouais. Bon les gars, on vient d'arriver comme vous avez pu le voir ou le remarquer peut-être au gîte. Regardez ça. On a un petit truc. Est-ce que vous voulez pas que je vous fasse un petit room tour? Allez, je vais faire un room tour. Je vais me prendre. Regardez. Hop là. Donc là, on a un magnifique miroir. Petite salle de bain très tchatcheuse quand même, faut le dire. Très 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 tchatcheuse. Du coup, ensuite, on a la petite chambre. Regardez-moi ça. Là-bas, on a le daron qui discute. Elle est pas belle, la vue. Je sais pas si on voit, mais en fait, là-bas, c'est la ville de Sochaux. Du coup, là-bas. Pour ceux qui... Mais oui, mais Montbéliard et Sochaux, c'est collé, je crois. Toi, t'as fait un bac plus, elle a fait un master de géographie, la meuf. Bon, en tout cas, nous, on a passé du coup la moto contrôle technique, on est allé voir le terrain. Demain, ça va être vraiment cool. Première fois, du coup, pour moi à Villars-sous-Écot. J'ai vraiment hâte d'être demain, vraiment envie de rouler. Là, ça me manque, là, cette semaine. On n'a pas roulé depuis Bid, j'avais pas mal de courbatures et tout, mais voilà. Rendez-vous demain, une petite douche, on va manger, on va bien se reposer. Et demain, c'est parti pour une grosse journée à Villars-sous-Écot. Bonne nuit, les BG. Tu dis bonne nuit à la caméra ? Bonne nuit. Bonne nuit les abonnés. Oh ! Bonne nuit les abonnés. Bon les gars, ça y est, on est le matin. On vient, c'est le début de journée. On va partir direction le terrain. La moto elle est prête. On en a profité pour récupérer des petites bananes. Et c'est parti. Rendez-vous au terrain. Il fait déjà 12 degrés alors qu'il est 6h du matin. Il va faire chaud aujourd'hui. Ils ont arrosé. Voilà. Ça se voit ? Bah. J'ai vu le premier tour, j'ai vu les motos passer, j'ai dit là c'est bon. Bon, en soi ça va, je me suis pas trop mal débrouillé quand même. C'est bien, ouais. Là le sabot, il n'y a plus de vis, hein, il est censé tomber. Hop là. Il est collé. Voilà, hop.
Yes, les gars, c'est bon. Fin des chronos, on l'a fait. Et c'est libre, le terrain il était super gras. À mon avis, vous avez dû voir de toute façon les images. Ils avaient super arrosé, enfin beaucoup arrosé pour pas avoir de poussière de la journée. Du coup, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait le 16e temps aux essais libres. Ensuite, pour les chronos, le terrain avait vachement séché. Il avait creusé, il était super monotrajectoire avec des grosses ornières surtout. Il y avait en fait, si vous voulez, il y avait une grosse trace. Et sur les côtés, bah, c'était du coup de la boue, de la. Un peu la galère, je vous mens pas, mais j'ai réussi à faire un bon tour au début. Ça m'a mis 18e. Et voilà, après, dans le dernier chrono, j'ai pas réussi à améliorer. Du coup, il y en a qui ont amélioré. Du coup, j'ai fait le 20e temps à la fin de la séance. Je suis en fait dans mon dernier tour chrono. J'ai voulu vraiment bien améliorer et en fait, je suis tombé. Précipitation dans un virage, j'ai perdu l'avant. Donc, bah, je vous mettrai la chute juste là maintenant. Là. Voilà, donc vous avez vu que je suis tombé dans les barrières. Désolé au motoclub pour les barrières, mais bon, c'était une bonne séance, qualifiée pour l'après-midi. Là, il y avait beaucoup plus de monde. Hein. Dimanche, enfin, le week-end dernier à Beach, on était 39. Donc tout le monde était pris parce qu'au championnat de France, du coup, ils prennent les 40 meilleurs le matin pour les manches de l'après-midi. Et là, on était 65 environ, je crois. 60, un truc comme ça. Donc là, il y en a une vingtaine qui rentre à la maison. Et nous, on est qualifiés pour l'après-midi. Donc le premier objectif, il est rempli. Maintenant, on va essayer de faire des manches constantes. Il va avoir des belles ornières et tout. J'aime bien les ornières, donc ça va être cool. Voilà. Maintenant, on va manger un petit truc. Place aux manches l'après-midi. Je vais avoir besoin de beaucoup de force parce qu'à mon avis, ça va mettre du gaz. C'était chaud. Et t'as vu au départ, tout à droite, il y a eu un gros carambolage. Et moi, j'ai pris à gauche, j'ai contourné. Ouais, j'ai chaud. J'ai vu. Ouais, une ou deux fois, tu sais, les premiers me mettent un tour. Ouais. Ouais, donc c'était chaud. La sortie, c'était. Mais parce qu'au tour de reconnaissance, il y en a deux, ils se sont arrêtés à l'inter. Et je me suis dit, ah, c'est bourbier. Et moi, je suis passé à l'extérieur. Je me suis dit, bah, ça va, c'est assez bien. Donc, c'est pour ça. Mais après, quand j'ai vu que l'autre, il m'a coupé. Ah oui. Mais c'est bien, au moins, il y avait de la. Il y a de la combativité. C'est bien. Ouais. C'est bien. Mais pour la première, en tout cas. Ah, voilà, on part sur une bonne note, là. On repart sur un. Il y a du positif, là. Il faut prendre le positif. Une glace, la grosse. Elle a transpiré. Hein. Tu filmes là? Vous savez pas les gars, mais derrière la caméra, elle a bien transpiré. Elle a pris des coups de soleil pour faire cette vidéo.
raison de plus pour mettre un pouce bleu. Et mettre en commentaire big up à la caméraman. Hashtag coup de soleil. Allez, hop. T'es mal à Kishta. Bon, en vrai, il n'y a pas beaucoup, hein, y a 60 euros. Non, mais je sais pas si vous savez, mais je voulais vous le dire juste avant de terminer cette vidéo. Mais du coup, au championnat de France, quand on se qualifie et en fonction de notre position, ben, on a des primes. Et du coup, bon, ça permet pas de rembourser l'engagement, mais ça permet au moins de le diminuer et du coup de quand même. Je vais me faire écraser. Et de quand même avoir quelque chose à la fin du week-end, quoi. C'est vrai que c'est toujours motivant et c'est. On va. Hein. Elle est bonne. On l'a bien mérité cette glace. Santé. Bon, et ben voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. C'était MR Motocross. Comme d'habitude, bombardez-moi la barre des pouces bleus. Mettez-moi un maximum de commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, faites-vous plaisir. Mettez du gaz, du gros gaz. Mais faites toujours attention à vous.